Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News à la une de l'actualité ce soir. Après décision du ministre gabonais de l'Éducation nationale d'octroyer aux élèves recalés le baccalauréat pour la note de 8 sur 20, les membres du jury de cet examen disent non à la signature des attestations, une position soutenue par le syndicat national des enseignants-chercheurs. Dans l'actualité également ce soir, cette célébration de la fête du 17 août 2014 par les Gabonais de France, un événement riche en couleurs et en émotions autour du drapeau vert jaune bleu. On le disait tantôt, les membres du jury du bac 2014 ont tenu une conférence de presse ce mercredi à l'université Omar Bongo. La dite conférence portait sur le refus de signer les différentes attestations au baccalauréat des élèves ayant obtenu la moyenne de 8 sur 20 et qui ont été déclarés admis. Plus de précisions dans ce reportage de Martial Tsonga sous les images de Justin Bitigui. Non et non à cette violation flagrante des textes. Ils disent non à la décision qui avait été prise par le professeur Léon Touba, ministre de l'Éducation nationale, le 13 août dernier, laquelle décidait d'octroyer le baccalauréat aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Les membres du jury refusent catégoriquement de signer les attestations parce que prônant pour l'excellence. Le président, s'inspirant d'une fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi, s'était insurgé contre la médiocrité et contre la paresse. Le président nous a appelé les Gabonaises et les Gabonais à être des fourmis travailleuses. Et voici que dans le même temps, nous sommes ministres de l'Éducation nationale, organise la médiocrité. Le mot est lâché, on prône l'excellence ici et on refuse la médiocrité. Nous avons réagi le lendemain quand nous avons été appelés à signer ces attestations de baccalauréat. Nous avons adressé un courrier à la direction générale des examens et concours, notamment à madame la directrice du baccalauréat, pour lui signifier notre refus ferme. Je dis bien refus ferme à ne pas signer, à ne pas être complice d'une telle médiocrité. Donc nous ne signerons pas ces attestations de baccalauréat. Les membres du jury du bac 2014 et le SNEC restent déterminés à se battre pour l'excellence et combattre vivement ce qui ternit la crédibilité des études en terre gabonaise. C'était le reportage de Marvin Beryl. Restant toujours dans le cadre de ce sujet du bac 2014 qui fait polémique, les membres du jury ont eu le soutien du SNEC qui dénonce un non-respect des dispositions des lois en la matière. Retrouvons Martial Tsonga, Justin Bitégué pour plus de détails. Les membres du SNEC les qualifient de bacheliers de la honte. Les élèves déclarés admis avec une moyenne de 8 sur 20 en violation des dispositions de l'article 34 du décret 450 du 19 avril 2013 qui stipule que l'admission définitive au baccalauréat est prononcée pour les candidats ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20. Pour avoir le bac en République gabonaise, il faut avoir 10 sur 20. Et là, le ministre a décidé de donner, lui, dans l'union de jeudi, c'est écrit noir sur blanc, il a décidé de donner le bac aux élèves qui ont obtenu une moyenne à partir de 8 sur 20. Jean-Rémy Yama et le SNEC apportent leur soutien indéfectible aux membres du jury bac 2014. Un soutien qui s'inscrit dans l'optique de rendre plus crédible le bac gabonais. Quelle crédibilité nous aurons vis-à-vis de l'extérieur ? Le bac gabonais est reconnu de plein droit sur le territoire français. Vous pensez que la France va accepter de reconnaître notre bac à 8 sur 20? Est-ce que c'est un service que nous rendons à nos enfants, nous parents d'élèves, d'accepter que nos enfants aient ce bac de la honte qui va rester gravé tout au long de leur vie? Les membres du jury campent sur leur position, celle du refus de signer les attestations. Ils s'appuient sur l'article 14 de l'arrêté 00902 du 25 juin 2014 qui stipule « Le président du jury est garant de la fiabilité du baccalauréat en veillant par une présence effective à crédibiliser la signature apposée au bas de l'attestation de réussite ». En France, le culte des couleurs nationales reste important. Il apparaît comme un élément majeur de l'expression du patriotisme et les Gabonais l'ont encore prouvé le week-end dernier lors du tournoi de l'indépendance du Gabon à Bordeaux. Reportage de Jacques Jarel-Sika, notre correspondant en France.
Ils étaient tous à la recherche d'un bon coiffeur visagiste. Leur rêve lui expliquait les impératifs. Pas de changement de couleur, juste un simple dessin à faire pour marquer la différence. Et finalement, Agnès et Indanga, la quarantaine révolue, a répondu à l'appel de ses compatriotes réunis à Bordeaux pour assister au tournoi de l'indépendance du Gabon organisé par le Conseil des Gabonais de France en partenariat avec l'association Mbolo AGG. Je suis venue faire du bénévolat pour l'art artistique sur peau, restant sur les couleurs nationales qui sont le vert et le jaune et le bleu, parce que le thème de cette rencontre, c'est la fête nationale. Déterminés à soutenir leur équipe, ils ont laissé l'esprit léger, leur joue entre les mains d'une professionnelle. Des dessins parfaitement maîtrisés aux couleurs du Gabon et zéro place au mauvais goût, juste les dessins que chacun a choisi et on en ressort comblé. Elle nous colore aux couleurs du drapeau gabonais en fonction un peu du dessin qu'on souhaite. Moi, j'ai pris le lion, c'est justement pour être en communion aussi avec le Gabon, même si nous sommes très très loin du Gabon. On était aujourd'hui à la journée sportive, donc il y avait du foot. C'était pour encourager et supporter l'équipe du Gabon. Malgré tous ces préparatifs, la communauté sénégalaise de la Gironde a remporté la finale du tournoi de l'indépendance du Gabon en battant les Panthères de Bordeaux 2-0. Une célébration de l'indépendance du Gabon à Bordeaux qui s'est faite sous le regard solennel du vice-consul du Gabon en France, du président du Conseil des Gabonais de France et du président de l'association Mbolo AGG. Retrouvons Jacques Jarel-Sika. Pendant 3 jours et pour la première fois de son histoire, la ville de Bordeaux s'est mise à l'heure gabonaise. Tous les Gabonais de France se réunissent aujourd'hui à Bordeaux pour célébrer la fête d'indépendance du Gabon. Le Conseil des Gabonais de France a souhaité, pour cette édition, se rapprocher des compatriotes qui sont en province. Nous avons choisi la ville de Bordeaux parce que c'est une ville qui comporte une grande communauté de Gabonais en France. Pique-nique au bord de la Gironde, tournoi de football à Pessac, soirée dansante au restaurant Lokoumé et au Black Pepper, garden party et exposition des livres et photos sur l'histoire du Gabon à Mérignac ont constitué les temps forts des festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Un véritable motif de fierté pour les Gabonais de France. L'anniversaire du Gabon, c'est le moment de manifester justement notre unité. Ça me fait plaisir de retrouver tous mes compatriotes ici à Bordeaux. Ces moments-là sont des moments où on peut se retrouver entre Gabonais, où on peut célébrer, où on peut être fier de notre identité. Et c'est vraiment le sentiment qui m'anime, sentiment de joie et de fierté. La fête du 17 août à Bordeaux, la perle d'Aquitaine, la deuxième ville préférée des Français, gérée par le maire UMP Alain Juppé, a donc connu un franc succès grâce à la dextérité et le savoir-faire du nouveau bureau du Conseil des Gabonais de France. Un autre rendez-vous a été pris pour l'année prochaine et le drapeau gabonais sera hissé et flottera dans une autre ville française. En France, on y reste avec cette fois-ci l'équipe de la communauté sénégalaise de Gironde qui a battu samedi dernier au stade universitaire de Pessac à Bordeaux. Celle du Gabon, 2-0 lors de la finale de la Coupe de l'indépendance du Gabon, célébrée pour la première fois à la Perle d'Aquitaine. Le compte-rendu de Jacques Jarel-Sika. Cinq minutes après le coup d'envoi du match final donné par le vice-consul du Gabon en France, Roger Lhomme, Idrissa a ouvert le score pour le Sénégal en vert et blanc. Les Panthères de Bordeaux, composés de quelques joueurs en manque de temps de jeu, ont raté l'égalisation par pénalty à la 14e minute de la première période. Après la période des citrons, Djiri a offert la victoire au Sénégal en inscrivant le deuxième but de la rencontre à la 12e minute. Score final, 2-0. Félicitations déjà et bonne fête de l'indépendance au Gabon d'abord. Et satisfaction aussi par rapport aux joueurs qui confirment leur statut de champion d'Afrique à Bordeaux. C'est vrai qu'on perd contre une très bonne équipe sénégalaise, mais on est vraiment déçus et on espère que l'année prochaine on pourra faire mieux. C'est la fête de l'indépendance du Gabon et nous nous réjouissons d'avoir eu la présence effective de toutes les communautés africaines
pour fêter ensemble cet événement. Une défaite au goût amer pour la communauté gabonaise qui croyait dur comme fer remporter cette coupe édition Gironde 2014. On est fair play, hein. C'est vrai qu'on s'attendait à une victoire quand même du Gabon, ça nous aurait fait énormément plaisir. Organisée par le Conseil des Gabonais de France en partenariat avec l'association Mbolo AGG, la Coupe de l'indépendance du Gabon à Bordeaux a réuni sept équipes, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, l'Algérie et le Gabon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain à la même heure.